Avec 2000 entrées vendues en un jour et demi, soit 3 salles complètes au méga CGR Centre et 4 au De Lyon, la promo de Disco semble bien lancée. Le public tourangeau était impatient de découvrir le film en avant-première et surtout de rencontrer Franck Dubosc en personne. Bah oui, ouais, quand même, bah oui, on s'est fait belle pour lui. La venue de Franck Dubosc, moi, c'est le charisme, c'est le personnage. Je suis là un peu par hasard parce que c'est mon fils qui devait venir, il a une impossibilité et donc on est venu à sa place. On est des mamies, mais on se met toutes les sauces. Ça nous va bien. Le meneur des Bikinis. Non, non, non et non. On a 40 balais. La fièvre du samedi soir, c'est fini. Non, je peux pas, c'est impossible. Tu crois pas qu'on est un peu rouillé, non? Sous les flashs, les ovations et les cris d'amour, l'humoriste et le réalisateur Fabien Antheniente font une entrée des plus remarquées. C'est vrai que moi, j'ai pas joué là depuis 2 ans sur scène. Je recommence là bientôt, à partir du 3 mai. Et je serai chez vous, on m'a dit le 18 octobre. Donc forcément, c'est un avant-goût terrible, quoi. Quand on arrive et que les gens crient, on se dit ah, « j'ai hâte de d'y revenir, j'ai hâte de me retrouver sur scène ». Donc je viens voler un petit peu de ça dans les avant-premières. Je viens goûter un petit peu le public et ça fait bien plaisir. Ouais. Une cote de popularité qu'ils ont acquis notamment grâce au succès de Camping. Cette fois-ci avec Disco, on change de décor, mais l'humour reste le même. D'où Jésus, les béquilles. Pour Camping, c'était la parenthèse des vacances, ce moment qu'on attend tous. Mais tout au long de l'année, le moment qu'on attend tous, c'est le samedi soir, parce qu'on se dit, tiens, on va pouvoir s'amuser, s'éclater, rencontrer des filles, rencontrer des hommes, etc. Se faire beau ou belle, mettre ses belles tenues pour être un prince ou une princesse sur le dance floor. Parfois en entresol ou avec un kebab. C'est au choix. Prochaine avant-première prévue le mardi 1er avril, mais cette fois sans la présence des stars. Et si tu gagnes pas, hein? On va gagner, maman.